Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode 20 du Let's Play Assassin's Creed Unity. Paris, 1789. La Révolution française fait rage et toute la ville est plongée dans le chaos et la terreur. Alors que le destin de toute une nation se décide, un jeune homme du nom d'Arnaud mène une quête personnelle qui fera de lui un vrai maître assassin, plongé au cœur d'une lutte sans merci pour le pouvoir. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, j'ai la patate, j'ai la forme, j'ai la frite, j'ai le Robespierre, puisque c'est actuellement notre mission. Nous devons explorer la tente de Robespierre. Donc écoutez, j'ai un petit peu envie de vous dire... Oula, petit lag. J'ai un petit peu envie de vous dire, chers amis, que c'est parti, on y va. Bon, le temps que le jeu charge un petit peu, je viens de le lancer. Alors on avait déjà essayé de tenter quelques petites stratégies pour se rapprocher de la tente de Robespierre, mais en vain, rien ne s'était passé comme on voulait. Donc effectivement, c'est un petit peu plus problématique. D'accord. Je suppose que je peux pas du tout passer par là. Je peux passer par là, mais il y a un gare juste ici, et la tente est située là-bas. Alors, attendez. Là, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de passer par en haut? Il y a un mec juste ici. Mais si on va un peu plus par là. Mais si on va un peu plus par là. Et que là, je fais genre une analyse des méchants dans le coin. Ah. Mais toi, tu m'as pas vu. Purée. Mais il est vraiment con, Arnaud. Ok. La tente est là-bas. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Et le problème c'est qu'eux ils reviennent dans ce sens là. Donc c'est tout sauf arrangeant leur histoire là. Vous vous foutez de moi. Vous en faites exprès. Dites-le, c'est pour embêter Bibi, dites-le. Bon écoutez, là, il y a le mec. Si, je vais ici. Ok. Lui, apparemment, il a pas l'air de se tourner souvent. Donc lui, on va dire qu'il est là, il est tranquille, il regarde les feuilles, les oiseaux chanter. Bref, il s'en fout, il a juste envie d'un truc. Même si je sais qu'à la Révolution française, ça n'existait pas, il a envie de partir en vacances. Et je voudrais que ce mec rebouge, merci. Les autres là-bas, où est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'extérieur de la tente. D'accord, donc là, j'ai quelques petites secondes devant moi. Il faut que j'aille à vraiment... Ah ouais. Ah la vache. Peut-être que je pourrais... Est-ce qu'il fait demi-tour, le mec? Il fait pas encore demi-tour. Je pourrais peut-être... Je sais pas. Purée. Vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu, vous n'avez vu personne d'autre. Vous n'avez vu personne. Vous avez fumé, mes gars. Vous avez fumé, c'est tout. Je vois vraiment pas, hein. Et si on va à l'autre bout? Oh ah MDR. Je teste, hein, écoutez, je teste la nouvelle formule édition limitée.
Ok, voilà, vache. Ah ! Range-moi ça, Arnaud ! Ouais, ouais. Ah ! Ok. Je crois que c'était une très mauvaise idée. Peut-être pas tant que ça. Non, non. What ? Comment ils m'ont vu à travers... Je voudrais faire juste un petit repérage en fait. C'est juste un petit repérage. On va mourir, hein. Mais c'est juste pour faire un petit repérage en fait. Je voudrais juste voir où c'est. D'accord, c'est là. Est-ce que si je passe par là, ça pourrait aller? C'est quand même embêtant, hein, n'est-ce pas? Je vais vous l'avouer. Oh, on ne tue pas Benji comme ça. C'est quand même vachement embêtant. Il y a énormément de gardes. Il y a quand même énormément de gardes, ça ne m'aide pas. Ah, je vois pas trop comment... Et si je passe par la droite? Faut j'assassine, tout simplement. Si je passe par là... Parce que là, du coup, on a essayé tout à gauche, on a vu que c'était vraiment pas possible. Hein. Donc si je passe par là... Le problème, c'est qu'il y a un mec qui fait la ronde, et il s'arrête pas. Enfin, il s'arrête si, mais pas assez. Ah, et je pourrais peut-être l'assassiner là comme ça. Personne ne le regarde. Genre voilà. Il me saoule, mais genre je peux y faire ça par exemple. Pardon. Là ils sont deux, c'est pas possible. Mais lui il bouge pas. Du coup, lui il bouge pas, donc lui je suis tranquille quoi. Je peux avancer là comme ça, tac tac. Hein. Mais où est-ce qu'ils sont, eux? Sur l'intérieur ou à l'extérieur de la tente? Ah, ils sont à l'extérieur. Ah! Mais qui a osé te faire ça? Évidemment, c'est théologique. Ah, ok, bon, allez-y, non, tuez-moi, c'est bon. Foutu pour foutu, tuez-moi, allez-y. Je ne sais pas. Ouais, écoutez les amis, on va se retrouver donc dans quelques instants, le temps que je trouve une solution plus enviable que ça, parce que... Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Arnaud? Mon Dieu, il a eu la tête entre les jambes, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, des fois les bugs, chers amis, ça vaut vraiment le coup du détour. Donc j'essaie de trouver un petit peu une meilleure stratégie, chers amis. Donc on se retrouve dans quelques instants, une fois devant la tente, quand on aura assassiné un bon bout de monde. Donc à tout de suite. Ok, heureux les gars. Et les filles, sûrement aussi, bien sûr. Monsieur, vous qui avez été le sauveur de la République, je vous implore aujourd'hui d'être aussi celui de mon frère. En ce moment même, il croupit en prison. Arrêtés par des patriotes plus zélés dans leur héroïsme qu'avisés dans leur méthode. Aucun mandat n'a jamais été émis pour l'arrestation d'André, et pourtant il demeure emprisonné à Saint-Lazare. André Mouchard, bien sûr. Je vous prie de ne pas vous rappeler les écrits de mon frère dans le journal de Paris, car ils sont le fruit du cœur outrancier d'un poète. Je vous implore plutôt, si mes humbles talents ont apporté la moindre pierre au succès de notre glorieuse révolution, d'épargner mon frère. Je vois dans ses œuvres le bourgeonnement du plus grand poète français. Une lumière qui brillera éternellement. Patriotiquement vôtre, Marie-Joseph Chénier. Bon, comment dire que ça complique pas mal les choses. C'est pas simple, là, cette histoire, quand même. Hein. T'as tout le monde qui est un petit peu en prison dans tous les sens. Qui se fait assassiner et tout, donc c'est un peu... Hein? Bon. Allez. On va continuer de fouiller un peu. Il y a un mot là. Une lettre. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre. Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Ah. Germain. MDR, lol, hyper, lol, frisbee, lol, trollolol. Bon, écoutez, on va faire la suite. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche.
C'est peut-être ça. Tout est dispo sur les tables. Oh oui. Ça a l'air d'être ça, mesdames et messieurs, c'est sérieux. Merlin, Talien, Bourdon, ce sont tous des députés de la Convention. M'en doutais. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Faut pas perdre ses bouts de papier, hein, Arnaud. Hein. Je sais pas si tu t'imagines quand même Arnounouille, hein, l'ampleur de ce truc-là si on les perd. Hein. Parler à Élise. Ok, bon, on va faire un chemin inverse. Parce que je sais pas trop comment je suis arrivé là. Alors, j'ai pas trop m'embêter. Par là, c'est tu laisses tomber. Ouais, on va attendre que tous les petits gardes, là, ils aient fait leur... Oh, purée. Non, non, non. Il faut l'empêcher de s'enfuir ! Ouais, ouais. Non, mais en fait, hein. Je suis avec vous ! Tu vas courir plus vite que moi, voilà ! Wouh! C'est tout ce que tu sais faire! Élise! On peut se dissimuler dans la foule. On le peut. On se perd! Élise, bordel! Ah mon dieu! Allez! Bordel! Je suis comment? Élise! Mais bouge ton cul, bordel! Je vais mourir! Purée. What the fuck? MDR. Oh, par contre, j'espère que je reprends pas tout depuis le début, alors je pète un plomb. Non. Bon, bah, on se retrouve tout de suite alors. Ouais, ressent, on l'avait pas lu. À exactement 5h du matin, un rappel sera battu dans Paris. Il invitera tous les citoyens, hommes et femmes, à orner sur le champ leur maison des couleurs bien-aimées de la liberté. Non, je préfère vous le faire lire, hein, on sait jamais. Soit en embellissant leur maison de guirlandes, de fleurs et de verdure. Ok. Du coup, oui, j'y suis retourné, mais ça, on n'avait pas eu le temps de le lire. Bien. Il me faut quelque chose de plus solide. Effectivement, c'est l'ultime papier. L'ultime papier, l'ultime paper, avec la liste des hommes politiques. Oui. Merlin, Talien, Bourdon. Je vous recoupe pas, hein. Bon. On est habitué, hein. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme... Politique. Pas du tout. À la guillotine. Oui. Mais il est chelou, le mec. Ça devrait faire l'affaire. Parce que aimer ça quand même, faut le faire, faut être chelou. Bon, on va repasser par le même chemin, comme ça du coup vous me verrez. Vous verrez, pardon, mon chemin. Alors je sais pas du tout si c'est le vrai chemin qu'il fallait prendre, j'en sais rien. Écoutez, moi je passe par là. Chacun ses méthodes, hein. Ok, bon bah on va profiter qu'il y ait personne. On y va. Putain, je tremble, c'est affreux. Ça fait 2000 fois que je fais le même truc. On va essayer de faire attention du coup. Je marche la tête basse. Je vais essayer de remarcher exactement où on a marché tout à l'heure. Je vais essayer de marcher en même temps que les gens, de pas les bousculer. Je suis stressé, bordel. Putain, c'est passé. Oh! Oh bordel! Oh mon dieu, c'est passé! Vite, allons voir Élise! Ça va, elle est à 30 mètres, ok.
Oh non, la musique qui se met accélérée comme ça, bah ça me plaît pas. Hein. Souvent, c'est très mauvais signe. Poussez-vous tous! Faut que j'aille parler à ma bien-aimée, dont on a divorcé il y a à peine 24 heures. Amour! Une liste de noms. Ah, on a sauvegardé, alléluia. Ça fait du bien, hein. Moi je refais pas deux fois cette mission de merde, hein! Allez, on écoute. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant. Oula, toi tu veux tuer quelqu'un, c'est pas possible. Quand tu me fais cette tête là, Elise, c'est que tu vas faire des conneries. Distraire les gardes. Distraire les gardes. Ils vont me tuer! C'est moi! C'est Benji qui contrôle! Ils vont me tuer! Mission accomplie. Bordel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Assommer les gardes. Oh bordel! Mais où les gardes? Ah hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Armée. Tour à tour. Des poignards. Ouais, mais non. Sortez d'ici. Ouais, mais non, en fait, tu vois. Oh le bordel! What? J'ai rien compris à ce qu'il fallait faire. Hein. Oh, tout de suite alors! Ok, on se retrouve plus tard avec des gardiens à assassiner. Oh bordel! Tout ce qu'il fallait pas, c'est pas grave. Je vais te faire! Qui est dit qu'on ne touchait pas à ma Elise, ok? Et quand je dis qu'on ne touche pas à ma Elise, on ne touche pas à ma Elise. Pourquoi je dois lui parler? Oh bordel! Oh bordel! Oh son père! Ouais ouais! Pourquoi faut que j'aille lui causer? Mais qu'est-ce que ce bordel? Elise, tu fais que des bêtises! Écoute! Alors, mesdames et messieurs, le rime n'était pas volontaire. Hein. Mais je sais pas ce qu'elle me glande. Hein. Elle veut avancer ou tuer Robespierre à tous les coups. Hein. Et puis, je sais pas, fait demi-tour. Faut qu'elle aille me parler, je sais pas. Je sais pas encore ce qu'elle veut raconter, mais ils ont toujours des choses à raconter. C'est incroyable dans ce jeu quand même. Hein. Ils vous racontent leur vie, c'est incroyable. Et pourquoi c'est moi qui dois faire le sale boulot de péter la gueule aux autres? Évidemment, il regarde, et moi comme un con, je le tue juste à côté de là où je suis. Mais les mecs, là, ils sont alertés. Oh, mais comment ça se fait? Non, mais sérieux, quoi. Ouais, il a fait un arrêt cardiaque, ok? Et le sang, c'est votre tête, d'accord? Vous n'avez rien vu. Ok. Oh, son père. Ouais, pourquoi tu vas me causer, toi, encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois pourquoi? Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distraire les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Hein? Oh, bordel! Si je passe par là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ah, c'est Robespierre! Ne crains plus leur complot. Peuple, ne crains plus leur complot. Mais elle est où la machine? Ah, t'es là, salut.
Non, non. Oh, bordel! Mais non, mais c'est la triche! Ouais, comprends, sacrilège! C'est de la triche. J'aime pas quand on triche. Alors à tout de suite. Ok, faut qu'on se barre! Fuir le secteur! Oh bordel! Mais où est-elle? Elise! Je dois fuir le secteur, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais Elise, tu fous quoi, bordel? Viens! Ouais, bah écoutez, tant pis. Moi, je me barre! Mission catastrophe, bordel! Je m'en fous! Je me barre! Je m'en fous, je me barre. J'en peux plus! J'en peux plus, moi, de cette mission. M'a poussé à bout. J'ai été poussé à bout! Oh, bordel! Oh! Oh, bordel! Un magasin! Non, non, oui, non, bien sûr. En tout, hein. On va aller faire les courses. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai plus rien, c'est la dèche. Oh, son père. Ils sont juste à côté. Ok. On va aller faire un peu les courses. Que je n'ai vraiment plus rien. J'ai plus de lame fantôme, j'ai plus rien. C'est la dèche, quoi. Alors, on va aller faire un peu les courses. On va aller dépenser les sous-sous. Et après, on va aller parler à Madame Elise, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait normal, hein. On va se faire remarquer. On va se faire remarquer, on va rien comprendre. Oh. Bonjour! Bienvenue dans mon échoppe, citoyen. Ouais, 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 alors attends, je t'achète tout, mon gars. Tu vas rien comprendre. Alors, remède. Trois remèdes. On passe à la caisse, Monique. Ensuite, l'âme fantôme. J'en ai déjà deux. Bon, allez, vas-y. On passe à la caisse. De toute façon, on a bientôt terminé la mission. Ok. Je vérifie juste si tout est ok. C'est ok. C'est ok. Et c'est ok. Tout est ok. 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 Bien, allez. On va aller voir Miss Emily. Ou Elise, plutôt, oui. Oh bordel. Ouais, je m'en doutais. Oh bordel. Oh son père. Comment on va faire? Comment on va faire? On va passer par là. Contrôle donc ton quoi? Repeat after me. Contrôle donc ton quoi? C'est là qu'il y a des tireurs là-haut. Laisse tomber quoi. Alors c'était une mission extrêmement difficile pour moi. J'ai plus de batterie de tablette. J'allais dire j'ai plus de tablette de batterie, non? Ok. Vas-y. Je t'en prie. Fais-toi plaisir. Alors, on va aller lui parler. On va essayer de faire gaffe quand même. Parce que on a réussi à faire le secteur et j'ai pas l'impression d'avoir vu le petit panneau sauvegarder, tout est ok, tranquille, RAS. Parce qu'en fait, il fallait que je fuis le secteur, mais je la protège en même temps. Alors, j'ai juste fui, moi. Oh, bordel. Ouais, ouais, mais non. Ne pars pas. Je suis toujours content de te voir. Et tu vas souffrir, supplier, implorer. Écoute, Elise, hein. Bordel. Voilà. Oh, purée. Mais non! Je dois juste lui parler, bordel! Oh là là, ça va mal se passer. J'espère qu'il n'y aura plus personne. S'il me dit qu'il faut que je recommence la mission, j'arrête de tourner pour aujourd'hui. C'est clair au moins. Non! Jeune merde!
Bon, bah écoutez les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime et de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Et les amis, on se retrouve donc très rapidement pour un de vos épisodes favoris, hein. Allez les amis, à la prochaine et ciao bye bye.